Bonsoir, Awa. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Montréal. Merci infiniment. Montréal, vous êtes venu déjà avec l'ensemble de Côte-Bas. L'ego de Côte-Bas. Il y a presque 18 ans maintenant. C'est grâce à la participation de ce groupe qu'on vous connaît. Mais c'est la première fois que vous venez avec votre album solo. Ouais. Bon, comme j'ai dit, il y a 18 ans maintenant que je n'étais pas revenue à New York, à Montréal. Mais j'adore Montréal. J'adore l'initiative de Touré. Depuis qu'on était presque des gamines, l'ego, on a joué ici à 2 éditions de Nuit d'Afrique. Et c'était formidable. Et ça me fait plaisir, c'est vraiment un retrouvaille de voir la Nuit d'Afrique grandir. Parce qu'il n'y avait même pas le outdoor avant. Quand on est venu l'ego, il n'y avait pas celui-là dehors. Et je suis vraiment fière de ce que Touré fait pour valoriser la musique et la culture africaine. Vous êtes très polyvalent, vous chantez, vous jouez plusieurs instruments musicaux, kora, kalimba, dundun. Vous êtes aussi chorégraphe et actrice. Quels sont les artistes africains ou américains qui vous inspirent ces derniers temps? Africains, je dirais, il y a beaucoup. Les évanciers, les aînés comme Salif Keïta, qui m'a fait l'honneur déjà de mettre un mot dans mon album. Et les devanciers, les tontons comme Manu Dibango, Kalema, Cheikh Tidiane Seck. Et puis cet album-là, le dernier bijou, a été arrangé par Mao Otayek, qui est un grand frère, qui a vraiment arrangé cet album avec son cœur. 6 ans avec Stevie Wonder et 12 ans avec Alpha Lundi. Amadou et Mariam, j'ai beaucoup suivi leur pas aussi, c'est des aînés, pour ne citer que ceux-là. Puis Ali Farka Touré était un homme coupé à son âme. Et voilà. La musique occidentale, la musique européenne, est-ce que vous, ça vous donne aussi quelques idées? J'aime rester dans mon authenticité africaine. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la musique occidentale, mais aujourd'hui, il y a des valeurs. Il y a une Afrique qu'il faut valoriser, qu'il faut montrer dans ses vraies façades, pas seulement dans les côtés tristes. Il y a des tristes moments, comme la circoncision et tout ça. Mais il y a une Afrique qui a des valeurs, qui a une racine, qui a une richesse culturelle, qu'il faut qu'on montre, qu'on valorise aux yeux du monde. Une Afrique qui peut être bien unie que d'être désunie. Il faut que nous, les artistes, on montre aux yeux du monde. Parce que à l'Occident, ailleurs, les gens pensent que l'Afrique est vraiment tombée bas. Il n'y a que la famine, il n'y a que la guerre, on est toujours dans le sang. Moi je dis non, il y a un sourire, il y a une culture, il y a une racine. C'est exactement ça que vous montrez dans votre album, sur la jeunesse, sur l'enfance, sur la modernité. Sur l'éducation. Et puis il y a aussi des chansons que vous reprenez de l'ensemble de Côte-Bas. Sur 10, il y a 4 ou 5 que j'ai composé. Il y a une alerte qu'il faut que je lance en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste. Parce que je dis que j'ai une voix que les gens admirent, adorent m'entendre chanter. Il faut que je le dise aux gens et qu'ils écoutent. Il y a tellement de sujets à dire sur la petite enfance. L'éducation de nos enfants, c'est comme une urgence, SOS. Quand on donne l'éducation à un enfant, on lui a ouvert les clés du monde. On lui donne la clé du monde. Il peut ouvrir toutes les portes. Il peut aller partout. Il peut s'épanouir. Il peut s'exprimer. Pour moi, aujourd'hui, la valeur et l'importance sur cette terre, c'est l'éducation. Il n'y a rien au-dessus de l'éducation. C'est la liberté totale quand on est éduqué. Negi Korosigi, dernière chanson qui termine l'album.
qui vous tient tellement au cœur, vous les réinterprétez plusieurs fois et ça vous donne beaucoup d'émotions. Une chanson triste, une chanson qui parle de séries de barbares qui existent toujours en Afrique. Des milliers de morts, des bébés, des jeunes filles souvent qui ont même l'âge de puberté, qui ont 19 ans, qu'on s'y concit et après on ne peut plus arrêter le sang et c'est la perte de vie humaine. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je tenais à me lever, à contribuer à ma petite façon, à ma façon humble, avec ma voix, pour que les gens l'entendent de partout dans le monde, qu'on arrête ces pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes artistes africains qui commencent leur carrière et pour qui vous êtes une source d'inspiration? Mais je peux leur dire de rester eux-mêmes. Quand on reste soi-même, on va très loin, on a de l'avenir. Moi, je reste comme je suis fière d'être africaine. Comme vous voyez, je porte l'Afrique dans tout son état, dans toutes ses couleurs. Belle lurette que j'ai ma coiffure, que j'ai ce style-là. J'adore l'Afrique, j'aime bien l'Afrique. Comme je dis, elle a une richesse incomparable. Il faut que nous, on sache nous-mêmes gérer et qu'on ne se laisse pas gérer par les autres. Un dernier mot pour le public montréalais. Mais je vous adore, le public montréalais, je vous ai dit, je vous adore. Je vais venir très souvent ici déménager, mais pas en hiver. En été. Voilà, merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir, me soutenir, ça me bat vraiment droit au cœur. Et puis j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en émotion, qui s'agenouillaient, qui me faisaient. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a fait plaisir de retrouver Montréal après 18 ans. Ok, merci beaucoup Awa. Merci bien. Bonne continuation. Merci infiniment. Plaisir de vous revoir à Montréal. Merci, à très bientôt.